Bonjour tout le monde, ici PikaPofQC pour un autre épisode de Pikmin 2. Donc on est rendu à la partie 4. Dernier épisode, on avait fini d'explorer la zone Forêt de l'éveil. On pouvait plus avancer, il manque les deux autres Pikmin pour continuer. Donc, ce que je vais faire, on a débloqué une nouvelle zone, Source Troublante, on va y aller de ce pas. Et maintenant on sait qu'il y a une source infinie de jour. Déjà été dans le premier, ça ressemble. Ok, what the heck? Quoi ça ressemble? Oh, allô. Ok, ma source principale c'est des Pikmin jaunes, c'est sûr et certain que c'est ça. Joue. On va en prendre 30. Et on s'en va à l'aventure. C'est grâce à ça que je vais pouvoir aller chercher les bleus après. Regardez, là-bas, des Pikmin sauvages. Pouvez-vous les voir? Capitaine Olimar, vous avez découvert l'existence des Pikmin jaunes le jour où vous êtes écrasé ici, non? Ce serait une chance si, comme les rouges, ils se souvenaient encore de vous. Ce serait une chance incroyable. Excusez. Oh, on se rappelle de ça? Attends une seconde. J'ai un téléphone. Ça me donnait un petit peu de... Les rouges, tout le temps, ça que j'en ai besoin de plus. J'ai des bleus, là. Ok. Il y a une grosse source d'eau. Oh, c'est quoi, ça? C'est-tu mort? Continue notre chemin. Oh, il y a un tunnel ici. Qu'est-ce qu'on a là? Je vais juste voir. Mes senseurs émettent des signaux inquiétants. J'ai bien peur que ces signaux indiquent que ce trou est infesté d'insectes impitoyables, des bêtes vicieuses et agressives. Ça me prendrait quoi, voilà? Juste pour voir. Il me faudrait... faudrait les jaunes, donc non, je ne veux pas y aller. Oh, un pissenlit. Il y a beaucoup d'ondes avec de l'eau. Ça me gosse un petit peu. C'est clairement la première zone. C'est la même zone. Un peu changée, mais c'est la même. Qu'est-ce que j'ai là? Genre, si j'explore par là.
Peut-être qu'il faut que j'aille là. Honnêtement, c'est pas grave. On peut explorer partout. C'est quoi que là? On a un rond. Ouais, je m'en rappelle de ça. Les autres, ils volent. Oh my god, que c'est ça, cette affaire-là? Il y a des nouveaux monstres. Ouais, une armée, c'est ça. Il y a beaucoup de monde. On va toutes les mettre. 142, j'ai jamais eu ça. Je vais explorer. Il me faut des pigments rouges ici. Pas des rouges, mais des. C'est la place du 1 avec plus d'eau. C'est quoi toi? Ça, c'est clairement un des items. Ou lui, un item? Cette chose-là, un item? On a une zone électrique. On a une zone qu'on peut construire quelque chose. Je pourrais peut-être prendre quelques Pikmin et faire un pont avec ça. Mais c'est pas mal périlleux. Je vais prendre des bleus pour vraiment construire ça. Prendre 15 à la fois, puis on va voir. Suivez-moi. On va y arriver. Comptez. On va peut-être y aller. Si le pont va se faire assez rapidement. Elle est quand même perdu 2 dans le processus. On est capable de construire le pont. Fantastique. Oui, ils vont pas se faire bouffer eux autres. On va continuer. C'est clairement que la bébite qu'il y a là a un trésor, c'est sûr et certain. C'est clair. Je vais prendre les 30 de tantôt.
Et on part à l'aventure. Tout reste ici. Ça peut être plus rapide. Fait que j'allais effectivement au bon chemin. Attends, je veux pas en perdre un. Je vais retourner avec mes amis. J'ai perdu un petit peu de temps, mais c'est pas grave. On va construire le pont. Hein? Quoi qu'il ressemble le pont? Moi je vais être avec eux autres. Électrique un peu partout. Ah non, il me faut du poison. Ok. Oh my god. T'as fait là encore. Il était effectivement dans cette zone-là. Oh, des œufs. Des œufs, je sais pas trop quoi. Il y en a un autre qui va lui. J'ai lui en premier. Ou lui. C'est quoi cette affaire là? C'est une affaire de feu. What the fuck? C'était bien dangereux cette affaire là. Qu'est-ce que c'est? Une entité végétale semble avoir envahi les sols de cette zone. Intéressant, vous allez nous dire que les autres plantes fuck à cause d'elle. Oui.
chose ou quoi? Aucune idée, c'est quoi? On va revenir, inquiétez-vous pas. Ok. Ça n'a pas été une journée productive. Donc je vais en faire une autre. En gros, c'était plus l'exploration, là. Olimar, terrible nouvelle, ce n'est pas Okotate Park, mon créancé, mais une banque louche qui se trouve à deux pas d'ici. Le crédit des requins est vide. Oh non. Pauvre lui. On a une nouvelle faune, ma foi. Un bulbax embrasé. C'est nouveau ça. J'ai jamais vu avant. Bulbax embrasé. Famille canidés fouisseurs. Son corps sécrète une substance très inflammable qui interagit avec la structure cellulaire de sa peau. Il s'ensuit une réaction chimique qui produit des températures extrêmement élevées. Sa structure cutanée spongieuse a pour fonction de réguler la température et de protéger les organes internes. Étant donné la quantité et l'intensité de la chaleur qui produit cette bête, des précautions s'imposent. Un bouffon volant. Famille mandibulaire. Ces mandibulaires sont les seuls à avoir conservé leur aile. Toutefois, seuls les mâles sont capables de voler. Quant aux femelles, elles passent une grande partie de leur vie sous terre. Elles regagnent la surface pour une courte période, notamment pour pondre leurs œufs, mais jamais pour se métamorphoser. Piquépile. Famille Scarpanide. Autrefois, les Scarpanides avaient des ailes si peu développées qu'ils ne pouvaient pas voler. Ils vivaient donc au sol. Ils sont aujourd'hui dotés de larges antennes qui peuvent être utilisées comme des ailes de fortune. Les Scarpanides sont attirés par les Pikmen, surtout si ces derniers sont en groupe. Et ils descendront en piqué pour les attraper. Comme ils ne mangent pas les Pikmen qui les attrapent, ils les jettent au sol après un certain temps. La raison de son comportement est un mystère, mais des recherches sont présentement en cours pour élucider la question. Wogjong. Famille Amphibercule. Ce magnifique spécimen est d'une couleur aussi éclatante que l'or. Et ses taches de naissance latérales sont bien plus nombreuses que celles de n'importe quel autre membre de la famille des Cet organisme s'est moins bien nagé depuis l'évolution qui lui a donné la capacité de sauter plus haut. Il vit dans les fonds aquatiques et saute instinctivement sur les petites créatures pour les écraser. Feuille animale. Famille Ricocheur. Cet organisme a autrefois perdu ses ailes, ce qui l'a forcé à s'adapter à la vie sur la terre ferme. Aujourd'hui, la feuille animale ne peut plus voler. Que ce soit à haute ou basse altitude, ses ailes ont pris la forme d'une feuille, ce qui lui permet de se cacher par mimétisme. Cette technique de camouflage est très efficace puisque les prédateurs ne remarquent pas sa présence. En effet. Oh, on est chanceux, on a même un jeune pissenlit. Cette plante semble produire des graines touffues accrochées à un bras en forme de parachute. Les graines peuvent ainsi se déplacer avec le vent, ce qui augmente considérablement la portée de propagation de cette espèce. Une pousse. Famille inconnue. On ignore complètement à quelle famille de végétaux cette pousse peut appartenir et à quoi elle pourrait ressembler quand elle sera arrivée au terme de sa croissance.
Malheureusement, nous ne pouvons analyser que quelques échantillons des innombrables espèces que nous avons rencontrées. Mais même si notre expédition ne permet pas de fournir des informations détaillées sur les formes de vie que nous rencontrons, elle permet au moins de mieux comprendre cette étrange planète. En effet. Est-ce qu'on continue, tout le monde? Est-ce qu'on continue? Oui, on va continuer. Enfin, une dernière partie de journée. Et... là, on sait pas mal. J'ai débloqué le pont pour l'ozone. Et je sais que j'ai besoin de... j'ai besoin de 30 de même. Je vais avoir besoin de... toutes mes... allons à l'aventure, allons à l'aventure. Tidididam didou. Ce que je peux faire, c'est que j'aurais pu construire le pont. J'ai pas vu qu'il y avait un pont, mais dans la mine, je l'ai eu. Let's go. Je vais faire très 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 attention, par exemple. J'éclairais la place. Tu peux remonter, toi. Je me rappelle pas comment j'avais du fun. Je me rappelais pas comment c'était le fun, Pikmin. Honnêtement, là. Ça a son charme. Je veux dire, il y a pas grand jeu comme ça. Puis je comprends pourquoi ils ont fait ça. C'était vraiment une bonne idée de faire ça. Ok, voyons voir ce qu'on a ici. Que les autres vont détruire ça, puis moi de mon bord, je vais commencer par détruire le pont, le faire le pont en fait. Quelque chose de proche. You, you too. Ah, il est là. C'est trop haut pour moi. Ou pour mes Pikmin en fait. La map ressemble à quoi? Elle est pas énorme. Avant, je peux monter si c'est quoi? Je peux ça encore? Ouais. Comme dans le premier. Il y a un objet ici. Ça fait ça. Ah, oh, ça va faire des fruits, je pense. Ouais, des fruits.
Curieux de voir qu'est-ce qui se passe avec ces bulles-là. Oh, j'en ai eu assez. Qu'est-ce que ça va faire dans la vie? Grâce à mes recherches sur les baies violettes, j'ai fabriqué une potion très puissante. Je l'ai appelée Brume Amère. Ce n'est qu'un prototype, mais je suis convaincu qu'elle aura des effets spectaculaires. Approchez-vous de l'ennemi et appuyez soit pour l'aspirer de ce produit. Sachez que je peux poser un vaporateur. Oh, intéressant. Il existe un moyen très simple de voir combien de baies vous avez possédé. Ok, parfait. Fait que ça va comme peut-être nuire aux ennemis? Je veux toute ma gang. Ah, madame. On va aller voir ce qui se passe. Ok, let's go. Je vais retrouver mes Pikmin blancs. Je sais pas si on réussit. Oui, ils ont réussi. Parfait. Hello les amis. Comment ça va? Il y a d'avoir pas mal de choses hein, ici. Allô. Allô. Oh, ils font de l'électricité dans celle-là. Ces Pikmin jaunes aux grandes oreilles sont descendus de l'arbre et regardent vers vous. Ils semblent adorer les endroits surélevés. On dirait aussi qu'ils sont très légers. Si Olimar ne leur avait pas déjà donné un nom, je les aurais appelés Pikmin Auricula. Mes senseurs d'électricité statique réagissent violemment. Je me demande pourquoi. En gros, ça va être... Plein de Pikmin. Franchement, j'ai besoin des blancs. Honnêtement. J'ai-tu besoin des blancs? Je sais que j'ai besoin des jambes pas mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller emmener les blancs.
ou... Je vais aller ramener les blancs. Ou on fait le donjon? Fais-tu le donjon? On peut faire le donjon aussi. Mais je sais qu'il y a des items ici que je peux ramasser. Je vais aller mettre les blancs. J'ai pas envie de les waster. Vous êtes capable. Ça, c'est quoi ça? C'est un ouvre bouteille. 50$. Non. Catalyse meurt d'inconvénient. Moi, j'ai un item. Hein? Je sais pas si on va réussir à aller chercher l'autre objet. Prochain épisode, on va faire le donjon. Je sais pas si je vais faire le donjon le prochain épisode ou je m'en vais débloquer les Pikmin. Je pourrais pas. Même si je voulais, je pourrais pas. Je pourrais. Juste que j'y crois. Quelques-uns de plus. Vite. On est capable. On l'aura peut-être pas. C'est pas grave. On va aller le plus proche possible, puis...
Où on a les jaunes, là. On a les jaunes. Pas comme ne pas faire un donjon dans cet épisode-ci. Si je bug pas, pourquoi pas? Hein? En même temps, je veux pas oublier d'aller chercher. Là, on est avec des gens. Fait qu'en gros, je vais faire le donjon. Mon agent de prêt vient de me contacter. Sa voix était effrayante. Alors que vous amusez, moi, je risque ma vie. Dépêchez-vous de faire votre travail paresseux. T'en fais paresseux, moi. Là, on a des nouveaux trésors. On a un nouveau trésor. Catalyse meurt d'inconvénients. Les Pikmin John adorent les endroits surélevés. Quand je les lance très haut, ils deviennent fous de joie. L'autre jour, je les ai envoyés en haut d'une colline et ils sont revenus avec ce trésor. Ouais, je vais compléter... Ah, oh, ils sont venus avec nous autres, là. Je sais pas comment qu'ils vont. On a 25. Ah, il y en a d'autres, là. Je devrais se prendre trop. Enfin, le donjon, je devrais quoi? Ouh, classique. Porte du cornichon. Là, je vais prendre. J'ai 30. Je vais prendre 40. Je vais en ajouter un petit peu. 40 rouges. Et puis, on va prendre. Vengeance. Beau ça? Let's go. Le donjon se trouve. Fort d'étoiles, c'est là ici. Juste à côté. Parce que là, je peux pas aller vraiment par là-bas. Il y a des œufs. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Je pourrais aller dans le fond là, mais vraiment, je vais juste faire le donjon parce que ça me dit que je peux le faire avec les deux couleurs. Donc, après ça, ben les prochains épisodes, ça va être vraiment explorer. Ben pas explorer, mais aller chercher les bleus. Qu'est-ce qui nous attend dans ça? Après ça, on va pouvoir comme combler toutes les zones. On va pouvoir tout faire. On va explorer. On va explorer le périmètre.
va explorer... Par là. Ici, il faut que je creuse dans la marbre. Dans le sens, il faudra que je refasse le donjon. £40. Pépite d'amour. Donc c'est tout ce que j'avais dans cette place-là, qu'on va descendre d'un cran. Il va-t-il avoir un boss? Ça le demande, hein? Sous niveau 2, fort d'étoiles. Ok. Le feu, c'est mal. Okay, on a un petit sac ici aussi. Ok. Puis ça. Dans un trésor. Oh, what the fuck is that shit? Y'a trop de bits. Y'a trop de choses qui se passent ça. Il y aura une araignée. Je peux comprendre, mais le restant. Oh, il y avait un cadeau, lui. Un autre bouchon. Je sais pas c'est lequel, celle-là. Cola Crown RC Cola. Inspiration créatrice. C'est quoi ça?
du renfort. C'est pas les araignées qui me font peur, c'est le crapaud. Au combat là. Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Ça, c'est du boule à lèvres. 50$. Mon Dieu, je connais pas des services labiales. Non, j'en ai pas perdu. Ça en a pas aucun de mort. Cette porte-là, on peut détruire. Tête de canard. Ça m'a soupe. $80. Énigme paradoxale. Ok, toute la troupe est là. On y va. On descend d'un étage. Je sais pas s'il y a des donjons de même dans Pikmin 3. Je sais pas. Niveau 3. Holy shit, qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça s'il me manque des Thank you.
J'ai pas grand électrique, par exemple. Mais il donne quand même la chance de pouvoir... s'il t'en manque. Ok. C'est tout, c'en est un électrique? C'en est plein d'électriques. Nous autres, on va péter le mur. On va booster les jaunes. Oh non! Je m'attendais pas à ça, ils m'ont eu les maudits. Oh, ils font ça, eux autres. C'est 3 piastres. Ok, on va tenter. Un petit peu trop de mort. Je comprends même pas pourquoi. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je sais pas. Il en faut comment de ça? Hey Louis, t'as ta job, t'as les rouges, ils sont forts. Ça, je vais l'explorer par là. Attends.
une canne de conserve. Sunlock, water chestnut. Oh non, c'est même pas du poisson. Testeur de patience. Plus ils sont lourds, plus ils valent cher. C'est logique, non? Oh non. Un autre affaire de merde. Là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois. Ça, il y a quoi? Ça m'a rien. Il y a un autre item? Imaginons où est-ce qu'il pourrait. Oh oui. Nous autres, on s'en va explorer avec les rouges. On va défoncer la porte. Tu vois. Peut-être être proche d'ici. Il faut que je creuse. Il aurait fallu que j'aille des blancs, probablement. Il faudra que je revienne. Alors moi que je peux y transformer ici. Note à moi-même toujours de m'emmener des Pikmin jaunes ou mauves. J'ai bien peur que ça va être très utile. Clairement quelque chose, c'est... Il va falloir des Pikmin blancs puis revenir ici plus tard. Ok. Dans ma... Puis tu sais, je m'en amène 10 de chaque, puis c'est tout là. J'ai pas besoin de toute la gang.
reste une dernier niveau? Non. C'est quoi ça? Oh my god! Je me rappelle de ça. C'est quoi ça? Ce liquide rouge contient une essence épicée très complexe, une goutte qui équivaut à une dose. Appuyez sur 2 pour vaporiser. Oh my god, ok. Avez-vous déjà essayé? Comme si je peux... J'ai plutôt... si je veux sortir... Ok. Je vais pouvoir comme juste descendre plus tard puis... Regarde-moi le mur, comment il descend vite. Ah, c'est là que tu m'envoies les Pikmin. Peux-tu monter d'un étage? Je suis quand même curieux. Je m'en vais dans ça, par exemple. Non, je peux pas monter. J'ai compris. Je vais juste prendre des rouges. Ça me dérange pas. Et on va... On va prendre les fragiles. C'est quoi cette affaire-là? Bonjour. C'est quoi, mais c'était dégueulasse. J'ai pas timé ça.
perdu un peu, hein? On a perdu 3. Retourne à 40. Ok. Continue. Continue. Oh shit! Les rouges sont plus faciles à détruire qu'avant. Les portes noires. Ok, ça c'est la sortie. Oh, il y avait un item et tout. Je vais essayer d'être sûr que lui meurt. Ça c'est quoi ça? On va sortir ça pour 10. On a du stock en masse. Ça valait la peine. Un autre item. Ça c'est quoi? C'est une boule de riz? Ou un chocolat? Oh, c'est un chocolat! Roi des friandises! Ça c'est des allumettes. C'est baseux. Flamme du lendemain. Oh, baseux. Une photo de chien. Ouais, c'est pour ça que je vais faire une caverne. J'aurais dû faire juste la caverne, ça aurait été un épisode au complet. Là. C'est des vraiment longues cavernes.
capsule temporelle. On a tout ce qu'il y avait dans cet étage-ci. Et quand même, j'aurais voulu avoir les Pikmin blancs avant pour l'étage d'avant, mais... Mais c'est une leçon, il faut vraiment que j'aille des mauves puis des blancs dans chacun des étages. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Dernier étage, peut-être, je sais pas. Sous niveau 5. Dernier niveau. Ce qu'il y a ici. C'est clairement un boss, mais quoi? What the fuck? J'ai assez de monde. On va le voir par là. La sortie est là, fait que c'est sûr qu'il y a un boss. Oh, il manque des éléments? Il manque deux Pikmin. Le roi c'est quoi? Si j'ai besoin de quelque chose, ben... Toute ma gang est là. Allô? Oh my god, pas de Wii! Je me rappelle de cette affaire-là. Il est plus facile de gagner de la mission, non? J'ai déjà battu. Wow! Ça a super bien été. À là, c'est des boss qu'on refait du premier. C'est quoi ça, une clé? Victoire! Le corps garantit de cet insecte est réduit en poussière. Je suis soulagé de savoir que je n'aurais pas entreposé une créature aussi énorme. Analyse des prélèvements du sol. Anomalie détectée. Quel est cet objet brillant? Une clé? Pour ouvrir probablement quelque chose? Oh! J'ai juste besoin d'eau. Ça a bien été! Dans le premier, c'était bien plus difficile que ça. Mais j'avoue que dans le premier, je savais pas trop quoi faire non plus. Là. J'ai perdu... Non, j'ai perdu personne au combat. Fait qu'à date, on a fait deux boss qui étaient dans le premier jeu. D'après moi, on va toutes les rebattre, probablement. Mais bon, je m'en fous. Honnêtement, ça fait des boss, puis c'est le fun. Le gameplay est pas mal meilleur avec le 2, puis... Oh. La clé. Cet objet me semble familier. Je vais le combiner à la manette à dimension parallèle du patron. Alerte. Les sensors indiquent qu'une autre dimension se trouve très loin d'ici. Je reçois un message en provenance d'un lieu inconnu affichage en cours. Le mode défi est maintenant accessible à partir de l'écran titre.
Je n'y comprends rien du tout pour vous que ce message soit parvenu jusqu'à son destinataire. Je vais appeler cette chose apparemment futile la clé. Ça me permet de faire un mode différent, c'est ça? Ok. Bon, ben on va sortir de ça, les amis. Qu'est-ce que ça, ça, ça... Hein? Attends, il y en a un autre thème. Oh my god! C'est ça qu'il faut qu'il creuse cette patate. Attends. J'en ai les 5. Ah ah! Il y avait un autre item. C'est comme un autre diamant. Qu'est-ce que je peux faire si je m'emmène 10 blancs, 10 mauves dans chaque donjon? Pas mal de terri pour moi. J'ai 40% de la dette de pays, ça va me dire. Diamant royal. Oh my god. Il y a moi qui attendent que je sorte du donjon. Oui, moi je sortais d'ici. Trésor qui périt 10. J'aurais pu. Il m'en manquait un. Il manquait un trésor. Faudra que j'y retourne, mais pas là. Vous avez récupéré 40% de la dette! Je me demande si. Je peux probablement tout explorer si je veux. 130 rouges. 24 jaunes. Et. On est à 20 blancs. Donc, on va arrêter la journée là, parce que je vais arrêter la vidéo, j'ai pas envie de faire encore trop de vidéos là. De toute façon, ce que je vais faire, c'est... prochain épisode, on va continuer, mais on va aller libérer les bleus.
comme ça, on va aller voir toutes les Pikmin. Et je vais commencer, je vais pouvoir aller dans toutes les zones. Vraiment toutes les zones. On va être libre de tout explorer un niveau à la fois. Donc ça va être parfait. Rapport du jour. Je le trouve moins difficile. Oh, c'est mon petit gars. Papa, maman est folle de joie parce que tu as eu une promotion. Tu donnes des ordres à un tas de gens. Maintenant, c'est toi le plus grand capitaine de la planète. On voit ses enfants. On va te voir satisfait. Ok. Donc là, on est niveau trésor. On a plein de nouveaux trésors. Wow. Pépite d'amour. C'est délicieux, l'aliment rouge n'est pas exactement un fruit, mais ce n'est pas un légume non plus. Les résultats d'analyse indiquent qu'il libère des phéromones stimulantes. Je devrais peut-être l'offrir à ma femme. Roi des friandises. J'ai découvert un réseau très complexe de tunnels souterrains sous la source troublante. À chaque pas, je découvre des choses dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Cette nouvelle découverte nourrit mon esprit d'explorateur. Pour célébrer cette percée scientifique, je crois que je vais manger ce bonbon géant. Flamme du lendemain. Depuis toujours, mon peuple cherche une source d'énergie naturelle et renouvelable. Malheureusement, nous ne sommes jamais parvenus à la trouver. Le frottement de ces deux objets semble générer du feu. S'agirait-il de la source d'énergie que l'on cherche depuis si longtemps? Wow, c'était quoi de faire du feu toi-même? Capsule temporelle. Cette capsule commémorative appartenait probablement à une civilisation perdue. Elle contient des données graphiques, mais je n'arrive pas à les déchiffrer. Des analyses plus approfondies s'imposent. Je documenterai les résultats de mes recherches dans mon journal. Comme d'habitude, il y aura des pages et des pages de gribouillis et de petits dessins inutiles. Service labial. Je n'ai jamais eu l'ambition de monter tout en haut de l'échelle hiérarchique de l'entreprise, mais il faudrait peut-être que j'y pense. Plus mes enfants grandissent et plus je dépense. Prendre soin d'eux est ma plus grande priorité. Peut-être que le vaisseau pourra m'aider à devenir un vendeur persuasif. Ainsi, je deviendrai enfin riche. Diamant royal. L'autre jour, ma fille m'a demandé de lui acheter des bijoux. Elle commence à s'intéresser beaucoup à la mode. Je sais que les filles grandissent rapidement, mais jamais je n'aurais imaginé que ce serait si vite. Énigme paradoxale. Je ne suis pas seulement un excellent capitaine, je suis aussi un grand artiste. Je peux voir la beauté intérieure des choses, ce que les gens trouvent laid et ennuyeux en tendance à me ravir, l'esprit et la vue. Je ne mens pas, je suis quelqu'un de très profond. Testeur de patience. Quand je vois un contenant fermé, j'ai une terrible envie d'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si je l'ouvre, il perd sa valeur. Il ne me reste plus que mon imagination. Porte du cornichon. La contemplation de ce symbole titille mes papilles gustatives. C'est la première fois que je sens que mon goût et ma vue sont connectés. Peut-être qu'il s'agit d'une toute nouvelle technique publicitaire. Je dois en faire part au vaisseau. Mais oui, c'est Vlasic, c'est Vic. C'est les cornichons, ça. C'est un pot de cornichons. Ben oui. Inspiration créatrice. Fascinant. Si je continue de fixer ce symbole, je sais que je trouverai une idée brillante pour un nouveau produit. La clé. Ce trésor appartenait à une énorme araignée friande de Pikmin. Dans cette grotte habitaient toutes sortes d'araignées repoussantes. J'ai donc décidé de nommer cet endroit effrayant la Fort d'Étoiles. Le vaisseau a horreur des insectes. Quand je lui demande d'entreposer un spécimen dans sa soute, il menace d'organiser une mutinerie. Une quoi? Une mutinerie. D'accord. Et on va voir les animaux. Les nouveaux, les nouvelles créatures. Boule d'eau. Si on se rappelle, il y en avait dans le premier. Canidé fouisseur. Cet organisme aquatique vit dans les lacs ou les marais et se nourrit des insectes qui se posent à la surface de l'eau. Il présente une structure osseuse quasiment identique à celle de son cousin terrestre, le bulborbe. Il est donc aisé d'identifier son origine et d'affirmer que cette créature n'a émigré que tout récemment vers un habitat aquatique. Ça, c'est nouveau. Scarabée électrique.
famille des scarabées. Ce spécimen est un insecte hybride qui utilise l'électricité en plus du giglophène pour créer de l'énergie. Bien que sa forme microscopique ne permette pas de le prouver, on peut observer que les pattes de cette créature sont couvertes de poils minuscules. Ces poils génèrent le frottement qui produit la charge électrique, laquelle est convertie par la batterie interne de la créature puis entreposée à un champ électrifié. Quand ce champ atteint des niveaux critiques, l'électricité en surplus est libérée sous la forme d'un courant de faible voltage qui circule entre les spécimens. Ce courant peut électrocuter les créatures qui se trouvent à proximité. On peut supposer que la finalité de ce processus n'est pas de stimuler un effet de synergie pour une production groupée, mais plutôt de favoriser la préservation du groupe. En gros, il se protège. Crabamoc ermite. C'est ça qu'il y avait à sa pochette. Ça ressemble, hein? Ses yeux et ses pattes en forme de fossile laissent à croire que cette espèce est un parent de la skille, mais en réalité, cet organisme appartient à la famille des crabamoques. Par contre, cette espèce a quitté les milieux marins pour aller vivre sous terre. Même si ses pattes ressemblent à des fossiles, ce sont en fait des pinces qui ont évolué jusqu'à prendre la forme de nageoires. Cette bête se nourrit de créatures qui passent près de son terrier, les attire à l'intérieur pour les manger. Arachnéaque embrasé. Famille arachnéaque. Les membres de la famille des arachnéaques peuvent tous imiter les objets énormes qu'ils portent sur leur dos. Cet organisme appartient à cette famille. C'est un insecte relativement doux qui se nourrit de nectar des plantes, mais quand il est face au danger, il enflamme des gaz internes ou ouvre grand la bouche et crache du feu. Cette caractéristique rend cet insecte très dangereux. Mieux vaut ne pas traîner devant lui. T'es en train de me dire que ça, c'est genre les petites versions de... Qu'est-ce que j'ai battu tantôt? Fleur cracheuse royale. Ce spécimen change continuellement de couleur de ses pétales. Quand ses pigments sont lancés à l'intérieur, cette fleur éjecte des graines dont la couleur correspond à celle de ses pétales au moment où les pigments touchent son centre. Le nombre de graines éjectées correspond au nombre de pigments lancés. C'est une plante déconcertante et tout le mystère sur sa relation avec les pigments demeure. Mais une chose est certaine, cette relation est bénéfique pour les pigments. Ici, il s'agit tout simplement d'une autre variété de pigments. Peut-être, je ne sais pas. Baba longue jambe. J'essaie de voir c'est quoi. C'est considéré quoi, Ous? Arachnorbe. Classé à tort dans le catégorie des araignées, cette créature appartient en réalité à la famille des insectes. Étant donné que la section sphérique de son corps supportée par ses jambes contient la majeure partie de ses organes internes, on a déduit que cette créature n'a ni tête ni abdomen. Ouais, tu me dis pas plus qu'est-ce que c'est. Ah, t'es quoi? Donc voilà pour l'épisode de cet épisode. Ça a été un long épisode. Je vais tenter de focusser ça en plus petits épisodes. Donc, prochain épisode, on va retourner aux forêts de l'éveil et on va aller chercher les Pikmin bleus. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Pika pika à tous et à la prochaine.